What's up, man? How are you going today? Hein? Fine? Okay, thank you. Non, on va faire en français, je rigole. Peut-être qu'une fois, je m'adapterai à mon public anglophone qui est très sûrement très nombreux. Non, je rigole, c'est pas vrai. Bref, on continue Tales of Iron. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous avez de la chance de regarder ce jeu et de me voir jouer, parce que c'est quand même un exemple de persévérance que je vous montre là. Passer 30 minutes sur un boss comme la dernière vidéo, sur un seul boss, attendez, je recentre la caméra. Passer 30 minutes sur un seul boss pendant 30 minutes, ouais. À recommencer 10 fois, je sais pas si vous vous rendez compte la chance que vous avez de voir un exemple de persévérance, comme je vous ai dit, comme moi. Estimez-vous heureux, dites merci. Dites merci d'être tombé par hasard sur ma chaîne. Vraiment par hasard, parce que vous avez, y a que 30 abonnés, donc forcément c'est par hasard. Vous l'avez pas cherché dans la barre de recherche. Faites-moi pas croire ça. Alors oui, pourquoi j'étais là déjà? Ah oui, parce que je devais repartir en arrière, ok. Simple, logique. Tout ce qu'il y a de plus normal. Alors. Oh, il m'a donné un arc. Bah cool. Ah oui, puis l'arc, regardez, c'est l'arme la plus cheatée du jeu. Voilà. Non seulement ça stun. Non mais tire du bon côté, espèce de con. Non seulement ça stun, mais en plus ça fait extrêmement mal. Qu'est-ce qu'il me dit là? Il y a des mecs à l'arc dans un village. Ah, il y a des mecs qui ont des arcs plus puissants que le mien. Je dois aller les rencontrer dans le village. Regardez. Hop. Hop. Incroyable ça! C'est tellement plus pratique. Là, comme je vous ai dit la dernière fois, tu peux dépecer les insectes. J'ai ramassé des flèches sur des insectes, pourquoi pas. Étant donné qu'on sait jamais ce qui nous attend et qu'on peut mourir à chaque coin de rue comme on l'a vu la dernière fois, on va sauvegarder à chaque banc. Parce que voilà. Village Longtail. C'est qui lui? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Les fermiers se plaignent auprès de l'aîné du village que le sous-sol de la ferme a un problème de larves. Allons faire ça. C'est parfait. Mais le sous-sol, il est où? Attends, le sous-sol de la ferme? Je suis pas dans la ferme, là. La ferme est là. Ouais, est-ce que j'y vais? C'est loin quand même, non? Bon, allons-y, on a que ça à faire, j'ai envie de dire. C'est pas comme si on avait quelque chose à foutre de l'histoire. Non, c'est quand même intéressant. En vrai, c'est quand même intéressant, parce que... T'as quand même envie de savoir, est-ce qu'on va vaincre les grenouilles, finalement? Évidemment, tu sais que oui, parce que c'est... On joue le héros, donc oui. Mais t'as quand même des scènes d'action extrêmement épiques. Et ça, c'est à relever. L'épicness du jeu est à relever. Putain, j'ai passé à côté de ça. Oh, ça, il faut prendre. Clairement. J'ai vraiment passé à côté de ça. La première fois. Mais ça m'aurait tellement aidé pendant le combat contre le boss. Incroyable, ça. Alors, le moulin est là. Donc, il y aurait un problème de larves au sous-sol de ce moulin. Allons voir. Salut. Il y a des larves. Il faut les trancher avec ton épée. Au sous-sol, va descendre. Mais c'est tellement clair en vrai. Qui parle encore avec des mots? Regarde les images, c'est tellement plus clair. Alors, voyons voir tes larves. Ah ouais, c'est pas des larves, c'est des... C'est des crabes carrément. Putain, l'autre m'a frappé. On va tuer le gros au premier parce que j'ai commencé à le frapper. Ils doivent plus avoir beaucoup de vie.
Voilà, qu'est-ce que je disais? Par contre, lui, il me fait chier, hein. Ah, lui, il me fait... Le petit, il me fait chier. C'est bon, je l'ai buté. Oh, il y en a un deuxième. En vrai, ça va, s'ils ont que cette attaque-là, ça va. Tu vois. S'ils ont que ça, ça va. Quand même un peu faire gaffe, parce qu'ils sont deux. Ça va, c'est vraiment pas dur. Ils me sautent même pas dessus, ils font rien, donc bon, ça va. Voilà, plus de larves. Ah oui, comme je vous disais la dernière fois, regarde, tu peux... Tu tailles... Enfin, tu récoltes du jus d'insecte, et puis étant donné que c'est le jus d'insecte qui remplit ta gourde, eh bien, tu vois, à chaque fois que je farme de l'insecte, ça remplit ma gourde. Une tête de citrouille. Moins de poids, mais moins de défense. Autrement dit, aucun intérêt. Tête de citrouille, c'est quoi ça? Voilà, mec, c'est bon. Plus de larves. Quoi de plus clair qu'un pouce en l'air? Alors, ça, c'est une armure résistante aux insectes. Plus qu'au crapaud. Mais il y a également plus de... Moins de poids et plus de défense. Pour l'instant, on va le mettre. Ah, ça, on prend, par contre, ouais. On va le mettre, parce que... Pour l'instant, ça fait un moment qu'on n'a pas rencontré de crapaud. Donc, j'imagine que... Que là, ça va plus être une phase contre des insectes, à mon avis. Non! Et voilà. Ah ouais, puis en plus, chaque fois que je dépece un insecte, eh ben j'ai un petit peu d'argent qui vient avec. Donc ça, c'est cool. Le bon. Et voilà. On a fait la quête secondaire. Est-ce que je dois aller la valider quelque part ou est-ce que c'est déjà validé? À mon avis, c'est déjà validé, mais... Et voilà, il n'y a plus de quête secondaire. On doit aller à gauche. Ça me servirait à rien de me remonter là-dedans. Non, faut qu'on y va. Il fait quoi, lui? Il joue de la musique? Et lui, on n'en sait rien. Il y a des crapauds morts un peu partout. Ah mais il faut que je revienne dans mon village. Ah ouais c'est ça. Il faut que je revienne dans ma ville natale. J'aime bien. J'aime bien malader dans ce jeu. Ouais. Oula. Il y a mes haut-parleurs qui sont éteints. J'aime bien balader dans ce jeu parce que c'est joli. C'est joli. Donc même si tu fais des allers-retours, je me souviens que c'est un des défauts du jeu, ça c'est qu'on te fait faire beaucoup d'allers-retours. Même si tu fais des allers-retours, bah c'est joli à regarder. Donc bon, on va pas se plaindre. Non, vraiment, je surkiffe la DA de ce jeu. Vraiment. C'est une pépite. El Pepito. Oula, il fait un peu sombre ici. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Fort Pourpre. Bref. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois retourner dans la salle du trône, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as tué les insectes. Le pont s'est effondré là-bas. Bah du coup, je peux pas y aller. Attends, quoi? Je vais pas piger.
Non, le pont est toujours là. Oui, par... oui, il y a un autre pont alors. With the paths left unguarded, grubs had crawled to the surface. The builders couldn't work while they're there. Ah merde, j'ai raté mon coup. C'est vrai que j'ai mon arc aussi, vous me direz. Hein. Ça, c'est vrai. J'utiliserai mon arc en dernier recours. Bah finalement, comme je vous ai dit, heureusement que j'ai pris ma tenue anti-insecte. Hein, parce que ça va nous être beaucoup plus utile que anti-grenouille. Putain, mais... mon arc, ça les stun vraiment. Ah ok, ils voulaient commencer à réparer le pont et ils pouvaient pas parce qu'il y avait des insectes. Ouais, je comprends. Finalement, c'est quand même mieux que du texte en dessous. Et maintenant, je vais où? Bah oui, excusez, mais ça fait partie de ces jeux où t'as un gros point sur la map qui te dit il faut aller ici. En même temps, j'ai pas trop le choix parce que regardez, le pont est cassé, donc finalement, voilà. Regardez, il se prend pour Splinter Cell. Il croit qu'il est, furtif, il croit que personne l'a vu là. Il le croit vraiment. Alors, donc ça, c'était le château qui était en ruine avant. Bah, apparemment, c'est toujours le cas. Un petit banc. Putain, c'est bien cette vidéo, on avance bien. On n'est pas freiné pendant 30 minutes sur un seul et même combat. Ah, c'est mon trône. Agenouillez-vous. Fébrile sujet. Ils ont enlevé ton frère. Le vieux sage. Dans la ferme, enfin dans l'église, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? C'est vrai, qu'est-ce qu'il fout là-bas, le vieux sage? Non, c'est pas très clair en vrai. Son chef, son frère chef est disparu de la maison, mais le forgeron était toujours porté. Peut-être que l'aîné savait où. Ouais, là c'est un défaut quand même. On est revenu dans ce village, juste pour qu'ils nous disent ça. En fait, pour qu'ils nous disent, retourne dans la ville où t'étais il y a 2 secondes, parce que en fait c'est là-bas qu'il faut aller. Ça c'est un petit défaut quand même. Hein. Ouais. Là, c'est un peu voyant, quand même. Ça se voit un peu. Vous savez quoi? On va faire des épisodes de... 20 minutes. 20 minutes, ça me paraît bien. 10 minutes, c'est trop court. 20 minutes, c'est peut-être à la limite trop long. 30 minutes, c'est quand il y a un problème en cours. Comme par exemple, j'arrive pas à battre un boss. Mais 20 minutes, c'est bien. 15 minutes, je dirais que c'est optimal. Pour une vidéo. Et... voilà. Village had already started repairs. It would soon be as if the frogs had never come. Et voilà, ça c'est la beauté de ce jeu, regardez. Il y a eu la guerre quand on est arrivé, et maintenant petit à petit, les rats qui restaient, qui ont survécu, eh ben ils commencent à reconstruire la ville. C'est beau ça, regardez, ils balayent les rues. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'il fait lui? Le château? C'était clair, le château. Fait savoir que le roi, pour montrer la gratitude des villageois, allait aider à reconstruire le fort. Ah, il va aider à reconstruire le fort. Il aurait pu être un peu plus clair quand même, hein, parce que c'est... Est-ce qu'il y a des autres quêtes secondaires qui ont pop par hasard? Non. Du coup, on va aller parler au vieux sage. Lui, il saura quoi faire. C'est toujours comme ça, hein. C'est toujours le vieux sage qui sait tout. Alors, monsieur le vieux sage, qu'y a-t-il? Ton frère? Ah non, c'est le forgeron, c'est pas mon frère. Où est passé le forgeron? Ah, ça, c'est moi qui parlais. Et lui, il me répond. Le forgeron? Il a été enlevé par des grenouilles. Mais ceux qui... les rats qui ont l'arc, dans ce petit village, eux, ils savent quoi faire. J'imagine c'était ça. Ah non, merde, j'ai relancé le dialogue. Je pensais qu'il allait regarder la carte sur la table. Pas du tout, en fait. Je peux pas skipper, en fait? Non, je peux pas du tout. Et c'est quoi les extras? Médaille Honneur.
en mémoire de. C'est une blague ou c'est vraiment des rats qui sont morts pendant le développement du jeu? Ouais, puis ça, c'est des achievements. Ok. Ok. Marrant. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est bon. C'est bon. On va y aller. Finalement, le mode difficile, assez simple, hein, franchement. Attends, peut-être que maintenant il y a une quête secondaire. Non, pas du tout. J'espère trop. Parce que les quêtes secondaires, en fait, c'est toujours des. Non, c'est pas vrai, pas toujours. C'est toujours des combats ou bien des trucs, des objets à récupérer, mais c'est jamais trop chiant à faire. Deux flèches, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il fuit, Attention! Des insectes! Dans le moulin! Mais je les ai déjà tués? Prends ça. On va aller le dépecer là en bas, j'ai pas trop envie de descendre. Oh, des œufs! Deux! J'aime trop cette ava qui peut repousser l'ennemi avec le bouclier. C'est tellement stylé. Aïe. Aïe. Tellement con. Pourquoi j'ai pas juste bu ma potion magique là? Bon, c'est bon, je suis à côté. Ça va. Bon, après, je me suis pris trois petits coups au départ qui ne valaient pas la peine d'être pris. N'empêche, c'est un jeu où t'as pas le droit à l'erreur quand même. Oh, putain. Ça frappe loin. Hein. Raté. Touché. Alors, donc il redécouvre les œufs, ok, d'accord. Bon, les insectes, j'ai l'impression, sont beaucoup plus simples que les crapauds, hein, parce que les crapauds, ils m'ont fait chier. Les crapauds, je m'en souviendrai jusqu'à la mort, hein, des crapauds. Ah! Got you! Oh, comme il a esquivé! Vous avez vu le backflip qu'il a fait pour esquiver ma flèche? C'est incroyable ça! Putain, il est pas mort encore! C'est incroyable! Quelle résistance! Bah voilà! Vraiment que ça? De l'argent. De l'argent. Du fer, ça c'est extrêmement bien. Et des flèches. Et. Des flèches encore. Ok. On revient là. Encore des insectes. Encore des œufs! Mais ils étaient pas là avant, il y a genre 2 minutes. C'est un peu bizarre qu'ils aient le temps de pondre si vite quand même, non? Putain, mais je m'en lasserai jamais de cette attaque repoussée avec le bouclier, comme je vous ai dit. Putain, c'est pas mal ce que j'ai fait. J'ai stunné l'autre pendant que lui m'attaquait. Ah, il y a lui, celui qui fait des ondes de choc, là. Lui, il est vraiment pas dur pour le coup.
C'est tout? C'est tout ce que vous avez à me proposer là? Incroyable. Trop facile. Donc là, je dois aller. Non, le moulin, c'est bon, c'est désinfecté. Faut que j'aille là-bas. Ok. Bon, écoutez, on va s'arrêter au prochain banc qu'on trouve. Les crapauds. Ils sont là-bas. Ah, j'adore ces dialogues, putain. Attends, le territoire de l'éclaireur ne s'appelle pas du tout repos. Ah, je peux pas monter, je suis obligé de passer par les égouts. Ah, oh, ça va faire un gros détour, ça. Ça va faire un gros détour, ouais. Descends. Mais j'étais obligé de me péter la gueule, là. Ok. Bah c'est parfait. Figurez-vous que on explorera les égouts la prochaine fois. On va s'asseoir. Et voilà. Et bien voilà. On va explorer les égouts la prochaine fois. 20 minutes comme je vous ai dit, c'est parfait. Ah, je vous dis salut. Ciao, ciao, c'était Julien. À la prochaine, allez, à plus.